Aujourd'hui, on a joué collectivement avec des personnes qui ont un handicap. Et on a joué pour s'amuser et moi j'ai trouvé que c'était très bien. C'était cool. On a fait un peu de match. On a gagné 3 victoires et un nul et une défaite. Ça m'a dit ça beaucoup plus. Voilà. Mathieu. À l'IME, on a fait des cycles rugby avec le prof de sport. Et du coup, à l'IME, on est moins du coup. On est 5 ou 6. Que là, on a plusieurs. Et j'ai bien aimé aujourd'hui. Prêt à recommencer, oui. Déplace le ballon. On avait commencé il y a à peu près 10 ans sur une journée avec différents IME et ITEP sur la région. Et on avait concrétisé ça sur une labellisation. On s'est fait une petite formation en interne. On s'est promis d'ouvrir le club à tout le monde. Ouais. Alors la politique d'inclusion est favorisée dans ce club. Et ils ont obtenu il y a une huitaine d'années le label pour une pratique sportive partagée. La politique du département fait la promotion de ce label. 80 clubs sont labellisés sur le territoire landais. Les clubs s'engagent sur la quantité et la qualité de l'inclusion des sportifs en situation de handicap. Afin de mettre tout notre stade aux normes pour l'accessibilité handicap, nous avons travaillé toute l'année sur la restructuration de notre clubhouse. C'est la mairie de Mugron donc, qui nous a offert les matériaux et dirigeants, éducateurs, supporters, joueurs, même sponsors ont travaillé en bénévolat pour pouvoir mettre tout aux normes et pouvoir accueillir ces enfants dans les meilleures conditions. Mais il y a aussi une convention entre le conseil départemental et les fédérations sportives du sport scolaire. Et le phare de l'inclusion sera en mai 2022 sur les journées Handiland organisées par le conseil départemental des Landes. Ouais. Dans la vie de tous les jours, je pense qu'on peut y arriver à intégrer tout le monde pour pouvoir vivre ensemble. Enfin, c'est le vivre ensemble qui est hyper important. Je plonge. Essaye accordé, c'est dans le plongeon. Bien Théo, 1 à 2.